Eh bien, bonjour à tous, c'est WillyGMod et bienvenue mes amis dans une nouvelle vidéo. Alors, vous avez été au 2 ou 3 me réclamer une série sur RoboCraft. Alors, en fait, je vous explique le principe de la série. Je vais me construire le véhicule le plus badass qui soit, c'est-à-dire le mieux protégé, le mieux équipé. Bref, tout ça en mieux, tout ça en mieux. Et donc, ça risque de prendre un petit moment parce qu'il y a des chances qu'on se fasse des parties, hein. Il y a des chances qu'on se fasse pas mal de parties et donc, pour ça... Pour gagner des RP et pour ensuite évoluer de façon à avoir le véhicule le plus badass de la planète. Là, comme vous voyez, il y a mon petit truc, rassurez-vous, ça c'est de la merde, c'est uniquement pour jouer avec Pietro, pour être à peu près à son niveau. Sinon, j'ai, comme vous le savez, ma fabuleuse araignée qui n'est pas armée, que je peux d'ailleurs armer, pourquoi je le fais pas, je suis con, hein. Que je peux d'ailleurs armer, même bien plus que correctement, parce que comme vous le voyez, j'ai 373 000 RP. Ça fait plaisir, hein, quoi qu'on en dise. Hop, donc, on va mettre mes 5 top SMG, qui sont vachement bien, eux. J'aimerais essayer d'économiser, tout de même. J'aimerais essayer d'économiser pour pouvoir me prendre ces trucs. C'est quoi, ça? Mega Launcher MX1, oh la gueule! Oh la cool! Je savais même pas que ça se faisait, ça, vous savez quoi? Bref, moi c'est pas pour ça que je vais économiser, c'est pour... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et ça c'est quoi? Waouh! C'est le coup d'une blinde ça. Enfin bref, moi je vais économiser pour ça. Pour ce machin-là, alors comme vous voyez, le top SMG MK10, ce que j'ai actuellement, il a une vie de 18 000, il prend une place de 28, donc de 28 slots, et il a un rayon de dommages d'à peu près 4 228. Ce machin-là est méga craqué parce qu'il a une vie de 31 000, donc bon, ça encore, ça peut aller. C'est payé load de 250 au lieu de 28. Par contre, les dégâts, c'est pas mal, parce qu'il fait aux environs de 10 000 de dégâts. Dégagneur, et là, dégagneur, là, il fait 5 000 de dégâts. Donc, c'est beaucoup mieux, quoi qu'on en dise. Ce qui est complètement doublé, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien pouvoir me l'acheter, celui-là, donc en équiper mon araignée. Qu'est-ce que c'est que Mega Chip TX1. Ah, d'accord, ça, c'est pour s'acheter des... Des baies, je pense. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est une méga siège au niveau 100. Robot ranking 40 millions. Hulls rate 1, masse 15 kg. Mais je crois qu'il est juste plus résistant. Une CPU booster. That allow you... Ouais, voilà. Il vous offre un CPU booster qui est 5 fois supérieur à ce que j'ai. Admettons, là, si jamais j'ai un CPU booster 2500... Ça nous fait quelque chose comme 1500, 3000, 6000, comme 7500 à peu près. Ça fait plutôt pas mal, hein, quoi qu'on en dise. Donc, vous voyez que j'ai à peu près tout débloqué. J'ai pas débloqué les méga roues obvious, hein, quoi qu'on en dise. Il y a quelques cubes que j'ai pas débloqués qui franchement ne m'intéressent pas parce qu'ils doivent coûter une blinde et puis j'ai pas forcément les moyens. Même si là je les ai, mais enfin je les aurais pas tout le temps. Voilà, sinon, comme vous voyez, il y a d'autres types d'électroplates, ce qui est plutôt pas mal, et je pense qu'on va utiliser ces trucs-là pour faire notre nouveau robot. Alors, donc, alors, comme vous voyez, mon araignée est à 2 millions de ranking, mon healer est à 3 millions de ranking, bon, ce petit machin-là, c'est pour Pietro, il est à 15 000 de ranking, mais c'est surtout ce truc-là, vous vous souvenez lors de la précédente vidéo, j'ai fait quelques upgrades, notamment, vous voyez, j'ai un peu mieux protégé les roues, et j'ai mis 5 Raygun. Il est à 14 millions de ranking, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, mais on va essayer de faire quelque chose d'encore mieux. Alors, ce truc-là, je vais simplement le détruire. Oui, je sais, je suis débile, mais je vous ai dit qu'on ferait un truc en vidéo, donc on va se le faire en vidéo, même si là, techniquement, il est fait en vidéo. Mais on va essayer quand même d'en faire un autre. Au revoir. Voilà, alors j'ai découvert un truc depuis le temps que je joue Robocraft, il y a un truc que je savais même pas. Figurez-vous. Il y a un truc qui s'appelle... Voilà, il y a un truc qui s'appelle la symétrie, en fait, quand on appuie sur la touche X,
Comme vous voyez, si jamais, admettons, je mets un raygun ici, et ben en fait, ça en mettra deux, qui sont exactement à la même place. Voilà, admettons, je peux faire ça comme ça. Et c'est bon, là, bien sûr, j'en ai plus, mais c'est tout de même classe. Moi, je ne savais pas que ça pouvait se faire. Ça fait un peu style miroir, je trouve ça pas mal. Et bah écoutez, on va s'en servir de ça, on va s'en servir tout de suite en allant donc chercher nos cubes. Alors qu'est-ce qu'on a en cube? On a des cubes MK6. Je préférais des cubes MK8 perso. Donc je vais voir combien je peux m'en acheter. Hop. 2952 RP le bloc. Ça fait beaucoup, je tiens à le dire. Et pourtant, je pourrais m'en acheter 120 si je veux. Et là, j'en ai combien? J'en ai 147. Écoutez, on va s'en acheter 50. Ça fait déjà 147 000 RP en moins, ça fait mal. Vraiment très mal. Mais bon, c'est rien. C'est rien. Si jamais je regarde ça, je peux m'en acheter que 30. Alors merde, hein? Donc voilà, donc on a les 50. Ok. Alors j'hésite. J'hésite beaucoup, à vrai dire, entre me faire une voiture et me faire un avion. L'avion est maniable, il peut aller extrêmement vite. D'ailleurs, je sais pas si jamais il y a des limites de vitesse. Si apparemment il y a des limites de vitesse. Maximum drag speed. 175, d'accord. 164. D'accord, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc bon, ça c'est des aérofoils, moi ça m'intéresse pas, moi c'est plus les rudders qui m'intéressent. Rudder MK10 qui coûte une blinde. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, et les skis. Est-ce que les skis, ils ont des limites de vitesse aussi? Mais non, les skis n'ont pas de limite de vitesse, enfin, ce sont des skis. Steering ski MK5, d'accord, donc apparemment il n'y a que des... Ah oui, ça c'est pour tourner, d'accord, je vois. Je vois, je vois. Bah écoutez mes amis, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je me prends des Caterpillars? Ça va à quelle vitesse ces conneries-là? Max speed 81 mph. Si jamais je regarde les roues, mettons les MK9 que j'ai déjà. Ah oh, putain la vache, ça va plus vite que les roues. Ah non, ça va pas plus vite. 103. 103, 103, 103. Bon, 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 bon. Bah, sincèrement, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs types et. On va se prendre des. De toute façon, j'ai déjà des ailes. Allez, go, on va se prendre des ailes. On va se prendre des ailes. On va essayer de se faire le truc le plus petit possible, mais le plus puissant de la planète. Hop, alors après, dites-moi. Hein. Dites-moi si jamais vous souhaitez que je fasse. Je fasse une voiture ou autre chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais tant que je n'aurai point de commentaires, ça sera bah ça sera entre guillemets bah voilà, je ne prendrai pas en compte si jamais j'ai pas de commentaires, ce qui est pas logique. Hop. Alors on va essayer de se faire ça comme ça, ça peut être drôle. Oula, oula, oui c'est... Oh putain, j'avais zappé ce détail. Hop, ok, donc jusqu'ici tout se passe bien. Ces trucs-là, on va les virer. Parce que je rappelle que j'ai des méga boosters. Méga boosters qui se nomment Truster MK10. Donc bon, autant les utiliser. Puis bon, j'ai des pattes. Hein. J'ai aussi des pattes. Si jamais éventuellement vous voulez que ce soit des pattes, vous n'avez qu'à me le dire in the commentaire. Hop, on va faire ça comme ceci. Là, on va faire ça comme ça. C'est comme ça que c'est le plus stable. Ça con, moi aussi, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça, écoutez, moi je n'y peux rien. Voilà, tac tac tac. Il me faut une queue. Alors pourquoi une queue? Pour simplement mettre les propulseurs. Parce que si je mets les propulseurs, je les mets là, ça va être un gros bordel. Croyez-moi. Alors, donc les MK10 que je vais mettre, que je peux pas mettre en fait. Putain la vache. Je ne peux pas les mettre, donc je vais enlever ça. Et donc je vais essayer de mettre ça comme ça.
Hop, est-ce que là ça passe? Est-ce que là ça passe? Puff, 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 ça passe. Ça passe, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de voir ce que ça donne en test. Parce que là on va en faire des tests. Hein. Ce sera peut-être pas très passionnant pour vous, mais enfin moi ça m'en apprendra tout de même beaucoup. Ça m'en apprendra tout de même beaucoup sur le bordel. On va, pour améliorer un peu notre qualité de mouvement, parce que c'est toujours la qualité qui prime, on va faire ça comme ceci. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Là, pour le moment, il est pas armé ni rien, c'est pour ça que je ne fais que le tester, c'est tout. Ouais, c'est bon, micro et demi, excusez-moi. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça pour pouvoir lever tout simplement, et donc ça, c'est pour partir. Hop. Là, vous voyez, ça va, il est relativement stable, même si vous voyez, il penche. Il penche, vous voyez que c'est. En fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est monter. Hop, sinon, ça va, il est relativement stable. Même plutôt stable pour le coup. Hop, et que je peux pas mal. Waouh! Je peux pas mal le faire tourner comme je veux, plutôt bien. Je peux prendre des virages méga serrés en arrière de temps, ça fait aucun sens. Sinon, ça peut aller. Par contre, il est impossible à mettre droit ce truc. Mais ça peut aller. Ça peut aller. Disons que si jamais je décide de mettre des plasmas. J'ai quasiment jamais joué avec le plasma d'ailleurs, serait peut-être intéressant d'en mettre. Tombe bien quand même. Hein. Bon, le problème là-dedans, c'est qu'il a tendance à monter. Et moi, ça m'emmerde. Donc, vous m'excusez. Je vais tester un truc pour pas qu'il monte, cette andouille. Hop. Tac, 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 tac. Mouvement. On va essayer de mettre un thruster MK8 juste ici. Est-ce que de mettre un MK10 là, ça irait? Mais ouais, ça irait. Je suis tenté pour acheter un autre MK10. Bon, c'est risqué. C'est risqué pourquoi? Parce qu'en me détruisant ce simple bloc là, mes trois thrusters foutraient le camp. Cela dit, je suis pas assez con pour ça. J'ai mes petites réserves. Hop, donc thruster MK10, on va en acheter un. Ça coûte une blinde ce truc. Voilà, je n'ai plus que 139 000, ça fait très mal au cul. Mais voilà, je vais en le mettant là, ça devrait déjà, je pense, être un peu mieux. On va tester. On va tester, on va tester. Alors il n'y aura peut-être pas de battle aujourd'hui, hein. Ou alors peut-être juste pour gagner des RP, c'est tout. Mais sinon, il n'y en aura peut-être pas. Yolo. Ah ouais, déjà, il a tendance à beaucoup moins monter. Au contraire, il a même plus tendance à descendre. Toujours aussi rapide. Ce point de vue-là, j'ai pas du tout à m'en faire. En tout cas, là, je pourrais facilement les éviter, tous les SMG. Ça, c'est loin d'être un problème. Mais ici, il a toujours tendance à monter un petit peu. Aïe! Oh! Non, ça se fait pas, ça. Je plane bien quand même. Hein. Hop, 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 doucement, doucement. Voilà, si jamais j'essaie de le mettre droit, est-ce qu'il reste droit? Ça peut aller, mais c'est pas encore ça. Bon, cela dit, la vitesse à laquelle il monte devrait, je pense, compenser cette légère faiblesse. Tout du moins, je l'espère. En plus, c'est vachement classe. La vitesse à laquelle il tourne, c'est impressionnant. Et donc si jamais on veut se poser. Voilà, on se pose. C'est un peu en catastrophe, je vous l'accorde, mais on se pose quand même. Ça va. Ça va, ça le fait, je suis plutôt content. Je suis plutôt content du truc. Ah, je peux faire des demi-tours assez rapides, je suis plutôt content. Même tourner, hein, c'est assez rapide que je peux le faire. Bon, de toute façon, avec les armes qu'il y aura dessus, ça devrait, je pense, compenser ce léger défaut.
Alors ensuite, pour ce qui est des armes, justement. Toc toc toc. Alors avant les armes, est-ce qu'on penserait pas à l'équiper pour qu'il résiste aux tirs venant d'en dessous? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, ça. Alors qu'est-ce que j'ai comme protection qui s'offre à moi? C'est pas là. C'est dans le mouvement? Non, c'est pas dans le mouvement. Hardware peut-être? C'est dans hardware. Alors, donc là, j'ai des machins qui coûtent 111 000. Ça fait extrêmement mal au cul, je tiens à le dire. Se dit, j'ai ces machins-là qui coûtent 17 000. Et qui sont tout aussi bien. En fait, c'est ces trucs-là qu'il y a sur mon, comment dire, sur mon healer, hein, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que par contre, tous les MK10 sont au même prix. Là, vous voyez, MK10.5, MK10.6 sont tous au même prix. Plutôt intéressant, ça. Cela dit, pour le moment, moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse. On va voir pour prendre des Electroplate MK7, deux de chaque. Voilà. Peut-être que je fais une connerie. C'est fort possible. Mais ne sachant pas par avance, je vais les prendre quand même. On va voir. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors. Oui, mais fuck. Vous voyez, en fait, ça se présente comme ça. C'est pour ça que moi je les aime bien, ceux-là, parce que ça peut faire. Hop, vous allez voir. Ça peut faire un très efficace bouclier, comme vous le voyez. Plutôt intéressant. Plutôt extrêmement intéressant, d'ailleurs. Alors, toi, tu vas te mettre en dessous, s'il te plaît. Bon, putain, j'ai dit s'il te plaît, c'est quoi qui te bloque là, sans dire que c'est une victime? Voilà, non mais. Hop. Chemin qui monte encore un peu. C'est pour ça. Alors je sais qu'il y a des boutons hein, pour le faire monter. Moi personnellement, c'est pas ça ma technique. Ma technique, c'est ça. Voilà. Et là, il est monté. Alors, on va y voir ça de plus près. Nous allons donc équiper ça comme suit, à savoir comme. D'accord. Mais là, soleil, ça passe. Donc si jamais là ça passe, je suis pas contre. Hop. Voilà, donc là vous voyez, il est protégé. À peu près. Après, je pense que j'ai moyen voilà, de le protéger davantage en faisant ça comme ça, par exemple. Hop. Là vous voyez, les réacteurs sont à peu près protégés. Bon, cela dit, si je l'avance encore une case, ça fait chier parce que ça. Parce que ça fout la merde, hein, comme vous le voyez, avec le réacteur. Du coup, est-ce que je testerai pas de mettre ces deux foutus réacteurs uniquement ici? Peut-être que là, du coup, ça réglera le problème du fait qu'il veuille monter tout le temps. On va essayer. On va essayer après tout. Je vous ai dit, hein, ce sera de très longues vidéos. Je suis extrêmement long pour construire. Hein. Il faut savoir. Hop, attention, c'est parti. Non, 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 non. Là, vous voyez, aussi bien je peux monter très rapidement, mais là, ça va. Il a plus tourné en rond qu'autre chose, ce con. Et là, en plus, je suis bloqué. Non, 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 là, ça le fait pas. Là, ça ne le fait point du tout, chers amis. Il va falloir régler ce problème. Donc c'est pas grave, on va les mettre comme j'avais dit au départ, à savoir comme ceci. Tant pis, tant pis. On va essayer de faire en sorte que les électroplates le protègent plutôt bien. Si jamais ça veut. Parce que vous voyez, ça veut pas pour le coup. Ou alors, je fais ça. Hop, et donc là, j'équipe complètement. Comme ceci, par exemple. Ça peut aussi être une solution. Cela dit, pas très classe, la sauvise, quoi qu'on en dise. J'aimerais voir autre chose. Ah oui, comme ça le fait.
Je pourrais tout aussi bien faire ça comme ça, par exemple. Je pourrais tout aussi bien faire ça comme ça. Parce que là... Ah, putain, ça protège pas tout. Ah, c'est très chiant à faire. Très chiant à faire. Donc c'est pour ça que pour le moment, je vais me contenter de faire ça comme ça. Faut faire ça comme ça. Et donc de prendre l'autre. L'autre ici, voilà, et de faire ça. Comme ceci. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es débile, tu laisses de la place ici. Mais oui, mais la place ici, mes amis, c'est pour les armes. Faut bien qu'ils soient armés, mon bordel, quand même. Parce qu'en fait, ces électropellettes-là, elles sont exclusivement conçues pour, comme vous le voyez, faire une coque. Le problème de la coque, c'est que... Ben voilà, que... Alors aussi bien là, je peux protéger, je dis pas le contraire, mais... Ah, d'ailleurs. Une idée saugrenue me vient, mes amis. Une idée extrêmement folle, à vrai dire, mais... Non, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, fait chier... Fait chier, fait chier. Bah écoutez, on va laisser ça comme ça, tant pis. Mais non, couillon. Bah, toi, tu vas comme ça. Là, le souci, c'est que tout est vulnérable, clairement. Clairement, tout est vulnérable. Et j'aime pas, moi, quand c'est vulnérable. Hop. De toute façon, jeter une dizaine de comme ça. Ça devrait pourvoir un devant durant un temps, je pense. On va essayer de faire un truc à peu près classe, voilà. Toc toc toc. Ensuite on va prendre ça. Non. Ça j'ai dit triple andouille. Oh! Excusez-moi, Robocraft qui fait des siennes. Voilà. Là ça passe, comme vous le voyez. Et donc là je peux tout aussi bien. Mais oui, mais non. Ben oui, mais non, chers amis, c'est pour ça que l'idée me vient de ne pas faire ça comme ça. De ne pas faire ça comme ça, mais peut-être d'augmenter un peu ici. Voilà. Toc. Et aussi de ce côté-là. Et là, ça passe pas, fait chier. cela dit, si j'ai moyen que ça passe, si jamais je fais ça comme ça, là n'est pas trop le problème, à vrai dire. Hop. C'est juste légèrement surplomb, mais ça personne ne le verra, je pense. Si jamais quelqu'un m'écrit dans les commentaires, ton machin est mal foutu, les MKCL sont légèrement en surplomb, je vous jure que je pète un câble. La vie de ma mère, hein. Là c'est pas des conneries, hein. Faut pas déconner quand même. Oh. Si jamais ça se voit d'en bas, je fais un massacre. Voilà, donc là techniquement je suis protégé d'en bas. Je suis protégé d'en bas, c'est plutôt pas mal. Maintenant. Avoir pour les armes. Les armes. Du coup, je vais essayer les plasmas. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai 39 piles RP. Ouah, mais c'est la dèche absolue. Il va falloir qu'on aille fight. 39 000. Qu'est-ce que je peux m'acheter? Je peux m'acheter 2 MK7, éventuellement. Hop. Tatatata. Moi, c'est les châssis que je veux. Voilà. J'aimerais 2 comme ça. Oh, fuck, ça passe pas. Tant pis. Je réessaye. Hop, nous allons donc essayer ça. Comme ceci. Toc. Hop, les deux MK7. Que nous allons mettre comme suit. Voilà qui est fait. Ok, fait. Il a pas très belle gueule, mon truc, je vous l'accorde. Mais on va voir ce qu'il donne. Pas en fight, rassurez-vous. Je suis pas assez fou pour aller lancer un truc comme ça dans le champ de bataille direct. Je vais déjà voir ce que ça donne. Est-ce que je suis bon pour viser à ça, pour commencer? Ce qui est loin d'être sûr. Relativement stable. Enfin, c'est relatif. Hein. Il tourne encore plutôt vite.
là j'ai un mal de chien à contrôler. Et je suis une bite à la visée. Faut que je m'entraîne un peu. Parce que là, vous voyez, lui, il veut monter à tout prix, cet enculé. Putain, je suis une bite internationale, quoi. J'aurais jamais cru que c'était possible. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Oh! Ouais, je peux aussi viser en mode YOLO comme ça. Sauf que c'est pas ultra évident. Quoi qu'on en dise. Oh, putain, la vache, j'ai du mal! Ok, non, ce machin-là n'est pas du tout prêt à aller fighter. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est juste un truc de fou. Hop. Vous deux, vous dégagez. Comment je peux faire? Comment je peux faire? C'est juste une torture. Voyons voir, tu me donnes une idée, toi. Là, je suis à peu près au centre du robot. Même carrément au centre du robot. Hop. Est-ce que ce serait pas plus simple si jamais je mettais ça comme ça? Oh, ça passe pas. Fait chier. Fait chier, mes amis. Fait chier. Là, je peux pas le mettre plus par là parce qu'il y a les ailes. Donc ça m'emmerde. On va essayer de faire ça donc comme suit. Toi, tu dégages. Non, pas 4, 3 j'ai dit. Hop, et donc 2 mètres. Les deux de chaque côté. Qu'est-ce que what? Ah, je suis bête. Pardon. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Peut-être est-ce mieux, peut-être est-ce pire, j'en sais rien du tout. Qui en sait que dalle. Je vais même pas regarder l'heure à laquelle a commencé la vidéo, ça pourrait durer une plombe pour vous. J'en suis navré en auquel cas. C'est vrai que c'est un recul quand même, légèrement. Oula, oula, oula. Oula, 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 mon dieu. C'est une torture sans nom. Ouais, est-ce que avec les aérofoils, du coup, ça changerait quelque chose? Parce que je me suis toujours concentré sur l'idée de prendre uniquement des rubber, mais peut-être que les aérofoils sont bien pour ça. C'est une merde sans nom à construire, je suis navré. Là, je vois mal comment faire, sincèrement. Et j'ai supprimé ma voiture, je suis débile. Je suis débile, débile, débile. Comment puis-je faire? Ça passera pas, je suppose. Non, ça ne passera pas. Ok, donc on va essayer autre chose. On va se prendre des MK8. Là, ça passe. Ouais, on va essayer comme ça. Non. Non, 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 certainement pas. Ça protège jusque là. On va essayer comme ça. Écoutez, après tout, hein, autant essayer d'exploiter le potentiel de l'autre machin au maximum. Voilà. Hop. Histoire d'essayer de régler un peu le tout. On va mettre le dernier MK10 ici. Et donc, on va essayer de mettre les thrusters MK8 ici. Et là, ça se trouve que je fais c'est de la merde sans nom. Ça, je ne le saurais qu'en allant là-dedans. Est-ce que déjà le machin il peut voler pour commencer? Ça serait tout de même pas mal au départ. Hein. Oh là! Je m'en approche. Ça paraît plutôt à peu près stable. Et ça ne... Il y a un moment où c'est stable. Un kill.
Le problème, c'est que ça va toujours monter en fait, hein, ou descendre. Toujours obligé de faire en sorte que ça m'emmerde. Oui, là, je suis navré, mes amis, c'est long. Mais j'aime bien faire les trucs bien. On va dire ce qui est. En enlevant celui-ci, peut-être. En enlevant celui-ci. Et donc, en faisant en sorte qu'il y ait un juste milieu. À savoir que tous les MK2, pardon, on les met comme ça. Peut-être totalement con ce que je fais, mais j'ai l'intime conviction que ça peut marcher, cette connerie. Est-ce que tu veux bien rester stable? Non. J'ai la conviction qu'il y a trop de... Soit il y a trop de poids à l'arrière. Auquel cas c'est la merde. Et je peux essayer de changer ça. Si jamais éventuellement je les mets là. Ça passe. Peut-être un signe du destin, qui sait. Voyons voir ça. Ah, déjà un peu plus stable. Un petit peu plus stable. Bon, un petit peu, hein. Pas des masses, mais... Déjà, il reste à peu près droit, bien que ça descende un peu. Mais déjà, on s'en approche. J'arrive à peu près à gérer. Ça va, ça se fait. Ok. Donc ça, ça marche. Ça marche, ça marche. Peut-être essayer de faire ça. Pas dit que ce soit beaucoup plus stable. Mais. Merde, quel con, je suis comme le siège. Débile que je suis. Hop, peut-être qu'en mettant comme ça stabilisera le bordel. C'est pas dit, hein, pas dit du tout, mais. Bah, qu'il y a pas de chance, ça peut marcher. Voilà, faut que j'en mette le siège, changer d'ambios. Dans quoi? Dans l'IOS? Mais je suis malade! Je l'ai dans l'IOS, mes amis. Voilà, c'est tout, c'est dit, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et on teste l'autre. Voilà, je vais me taire parce que là, ça devient la décadence totale. Je suis en live, hein, je suis en live, il faut savoir. Mais c'est tout de même la décadence. Hop. Est-ce que tu restes stable? C'est très relatif tout ça, m'excuse, mais. Ah, quoique, si, ça va encore. Mais il penche, hein. Il penche, mais c'est pas possible. Quand je monte trop, il va trop haut. Ah, quoique, non, plus maintenant. D'accord. En tout cas, il monte bien, ça, c'est clair. Back to Mother Chip. Alors peut-être qu'il y a trop de poids à l'avant aussi. Hein. Si jamais j'en vire un et que celui-ci, je viens. Admettons, le mettre là. Juste comme ça. Comme ça, lui, il aura bien chaud. Il aura tout le souffle du réacteur dans la gueule. Parce que là, pour le coup, ce serait mieux. Oui, Madre de Dios, ah, pas totalement. Pas totalement, mais...
C'est sûr, je l'ai eu. Ouais, ça baisse toujours. Mais sinon, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est, disons que c'est gérable, quoi. Enfin, tout le moins, à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait, respawn? Moi, je suis malade. Voilà, là, il monte. Là, il monte quand même. Et si jamais je descends trop, il pique. Alors, vraiment, trouver le juste milieu, cette saloperie. Alors, peut-être que j'ai vu trop grand. Peut-être que j'ai vu trop grand et que je devrais. Excusez mes amis, ce sont des périodes de test. Peut-être qu'il me suffit simplement de faire le même style que la mouche, si jamais vous en souvenez. C'est-à-dire que. Merde. Oui, si, tout à fait. Ça peut éventuellement aller comme ça. Et afin que ça soit stable, j'en mets un ici. Mais l'autre en dessous, il passera pas. Bah non, bien sûr. L'autre en dessous ne passera pas, c'est une évidence. Et là, ça passera pas, bon, bien sûr. Que faire, mes amis, que faire? Je suis certain que j'étais un bon truc, là, quoi qu'on en dise. Hop. Truster MK8. Est-ce que j'ai moyen de faire voler ce truc uniquement avec des MK8? Déjà, parce que je me suis focalisé avec les MK10, mais peut-être qu'avec les MK8 c'est faisable. Auquel cas, ça se trouve, je me fais chier pour que dalle. En faisant ça comme ça, peut-être. Je le sens très mal, je vous le dis tout de suite, mais c'est possible que ça fonctionne. Non, oh là là. Oh là 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 là. Bon, le point positif, c'est que mes couilles. Si j'ai moyen de me retourner vite fait. Oh là, oh là là. Bon, d'accord, c'est une blague innommable. Ah mais attendez, il m'avait semblé voir un truc. Peut-être ai-je une idée. Parce que là, vous voyez, j'ai fait en sorte que les deux soient totalement inversés. Cela dit, j'ai peut-être moyen d'accroître la stabilité en faisant ça. Peut-être comme ça. Ce serait totalement idiot. Mais on sait jamais, sur un coup de tête, ça peut marcher. Hop. On va essayer avec des MK10. Vous vous dégagez, sinon je pourrais pas les mettre. Merde, mais non, mais non. Peut-être que comme ça, pour le coup, ça marcherait mieux. Les ailes sont au-dessus, celles-ci sont en dessous. Pourquoi pas? Waouh! Waouh, la stabilité du bordel, quoi! Ouah, je suis méga impressionné. J'aurais jamais cru. Le machin, il se remet droit, mais quoi que je fasse, quoi. Eh ben, écoutez, mes amis méga classe, on va laisser ça comme ça. Je suis très impressionné. Le machin, il est droit. Mais comme un puceau devant une femme nue, quoi. C'est impressionnant. Regardez, le machin, je monte.
Non, on se remet pas droit tout de suite, mais si jamais je baisse un peu, il se remet droit, mais magnifique. Enfin, il reste de marbre le truc, c'est impressionnant. Comme une lettre à la poste. Waouh. Eh ben écoutez mes amis, je suis très abasourdi pour le coup, je pensais pas que ça se ferait comme ça. Je ne pensais pas du tout que ça pourrait se faire de la sorte. Donc bah du coup, on va essayer de hop. Voilà. Nickel. Nickel, écoutez-moi. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne, donc je suis plutôt content. Je sais que je vais peut-être poser la question quand même, mais si jamais je mets le troisième là, est-ce que c'est tout aussi stable? Avec 3 réacteurs, enfin le mec 2 pour le coup, on va être sérieux quoi. Est-ce que c'est aussi stable? Non, c'est pas du tout aussi stable. Non, c'est pas du tout aussi stable, le machin se casse la gueule. Eh ben écoutez mes amis, je suis extrêmement étonné que ça marche. Pour tout dire, je pensais pas. Comme quoi, il faut tout pour faire un monde. Hop, du coup, il est fort possible qu'en mettant cela ici. Pourquoi tu veux pas toi? Non mais non, mais c'est pas le MK10 que je veux, c'est le MK8. Cool. D'accord, donc on va essayer de voir comme ça. Pour le coup, je suis qui certain que là, c'est assez stable. On essaie une dernière fois. Une dernière fois. Après, on va essayer de se faire une petite... Alors, uniquement une team test match, hein, parce que sinon, on n'est pas rendu. Ça se fera jamais, hein, pour être sérieux. La fin de cette vidéo ne verra jamais le jour. Hop. Alors, c'est pas du tout aussi stable. Hein. Pas du tout aussi stable, ça se casse la gueule. Ouais, je suis encore assez mauvais à ça, mais... sur un malentendu, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais cool, hein. Ouais, on va dire que c'est extrêmement vite fait. Cela dit, sans les propulseurs, ça va. Hein. C'est uniquement avec les propulseurs que ça baisse, mais sinon... Gagné. Non, 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 c'est pas du tout aussi stable. Écoutez, mes amis, on va essayer ça comme ça. Si jamais je perds, je perds. Si jamais je gagne, plutôt cool. Voilà, vous deux, vous dégagez. Ah, 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 j'ai zappé un truc, m'excusez. Ça peut servir. Voilà, c'est parti pour le premier Team Deathmatch avec cette espèce de machin horrible. Qui, cela dit, a l'air de plutôt bien marcher. Plutôt content. On va voir ce que ça donne. Alors, faut pas oublier que là, j'ai qu'une vie, quand même. Hein. J'en ai pas dans des centaines comme je peux en avoir dans le Battle Arena. Non, non. Alors, comme vous voyez, mon vaisseau s'appelle Troll of YouTube. Parce que, bah, c'est le troll de YouTube, merde. Hein. Désolé, un machin aussi horrible que ça qui fonctionne, je trouve même pas ça normal. Alors bon, on va dire ce qu'il y a, quoi. Des fois, en regardant les autres, ça peut donner quelques idées, sauf que là, ça me donne pas des masses. Mip, mip. Oui, oh, ça va, oh. On se calme. Hein. Donc voilà, là, mon terrain, moi, ça va être l'air, hein, tout simplement. Là, il n'y a rien. Ouais, mais pourquoi t'es pas aussi stable, toi? Ouais, t'es pas censé descendre comme ça. Et...
Ah, là, vous voyez déjà, il y a des pupilles. Loupé, ça arrive. Décidément, j'ai du mal. Tu vas descendre, oui. Aïe. Toi, tu l'as bouffé, celle-là. Loupé. Putain, la vache enculée, m'a eu. Ah bah oui, bah là, je suis royalement, quoi. Quelqu'un qui veut se la mettre? Bah d'accord, j'ai même plus d'armes. Eh bah laisse tomber. Ce truc-là, c'est de la merde. Ah, cela dit, les échos sont tout de même assez fiables. Hein. Tout de même assez fiables, on peut aller assez vite avec, pour le coup. Peut-être que je me prendrai des hélicos. Ok, joli son truc à lui. Ça peut être assez classe, un truc comme ça. Ouais. Non, peut-être que je m'adopterai un truc comme ça, j'en sais rien du tout, sincèrement. Je vais vous dire, j'en sais que dalle. Bon bah voilà mes amis, sur cette conclusion totalement ridicule, hein, que je vais vous laisser. Je suis navré, ça a duré beaucoup trop longtemps pour le résultat que ça a donné. J'ai gagné 80 RP. C'est une putain de blague. 80 RP quoi, putain. Je suis navré mes amis, je suis vraiment totalement navré. Si vous voulez que je continue dans ce design là, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous voulez que j'adopte un truc totalement différent, dites-le moi, je vous en prie, parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc voilà mes amis, je ne touche pas à ce prototype d'ici le prochain épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine.